Sébastien Mazera, donc j'ai 43 ans, je suis directeur du centre de formation depuis 8 mois. Je suis au club depuis 99, alors avec au départ un passé de joueur de 8 ans. J'ai arrêté ma carrière en 2010 et j'ai intégré tout de suite la formation au Clermont Foot, donc en tant que responsable pédagogique, recrutement des jeunes. Et en 2014, j'ai commencé à entraîner, entre-temps j'avais passé mes diplômes. Là, voilà, bien joué. On a 5 ans d'existence, on va rentrer dans notre 6e. On a commencé catégorie 2, donc le plus bas classement des centres de formation. Et on est passé depuis cette année catégorie 1. Donc on a accédé au cahier des charges de la catégorie 1. Ici au centre, on s'occupe de 3 équipes, 17 nationaux, 19 nationaux, National 3, voilà les équipes nationales. Et à côté de ça, on a des équipes plutôt régionales, 16 R1 et 18 R1, où ce sont essentiellement les garçons de la section amateur qui jouent dans ces équipes. On aimerait bien, alors c'est peut-être un peu utopique, mais que la moitié des garçons qui soient dans le groupe pro puissent provenir de la formation. Alors c'est plutôt à moyen long terme, mais déjà si on arrivait à 30% des effectifs chez les pros qui sont issus de la formation, ça serait déjà un premier pas intéressant. On n'en est pas très loin aujourd'hui, on a des garçons qui sont quand même sortis de la formation clermontoise et qui sont aujourd'hui avec les pros. On a Ouparine, on a Momo, on a Johan Magnin. Donc voilà, l'objectif c'est d'en amener un peu plus chaque année et surtout un peu plus apte à jouer, entre guillemets, plutôt que d'être des compléments. Donc après, il y a des salles, des petites salles de vidéo d'entretien, des bureaux pour les coachs, pour les prépas. C'est Pascal qui avait été sollicité pour accueillir une session du BEPF, donc la formation, entre guillemets, d'élite, hein, des futurs coachs de l'élite. Donc c'est vraiment un plus pour nous, pour le club, de pouvoir aussi ouvrir notre club sur des formations de la FEDE, des grosses formations de la FEDE. Voilà, ça nous permet de nous faire connaître aussi un petit peu, de voir comment on fonctionne, comment on est structuré. Donc, parce que clairement, dans l'image du foot national, c'est pas forcément très très connu. On grandit et c'est bien de pouvoir se faire connaître aussi. Ouais. On visite 6 clubs par an. Ce qui est intéressant pour les 10 stagiaires qui font le BEPF, c'est de se confronter au président, de se confronter à l'entraîneur. On a eu l'intervention de Jérôme Champagne, qui a été très intéressante pour nos 10 stagiaires. Jeudi, on aura l'intervention de Pascal Gassien. Et c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui sont à l'actualité aujourd'hui du football français, qui ont beaucoup d'idées, et ça permet de poser des questions et d'avancer dans leur formation d'entraîneur. La façon de jouer, la philosophie de Pascal, c'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui le football romantique. Jean-Marc Furlan, tous ces entraîneurs qui ont la volonté de jouer et mettre le jeu en avant sur une division comme la Ligue 1 qui est très compliquée pour des investisseurs comme vous, est-ce qu'à un moment donné ça peut être un frein? Et peut-être un domaine d'intervention de dire au coach, bon, le beau jeu c'est bien, mais dans une division comme la Ligue 1, ça peut nous mettre en difficulté, par exemple. Sur ça, Pascal a été très clair, et je suis d'accord avec lui, même si on a 29 points. Si nous on peut s'en sortir, c'est qu'en faisant ça. Après, peut-être qu'on ne va pas y arriver avec lui. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Mais je vais vous donner un exemple. Le 4 août 2021, l'équipe a fait un numéro spécial en demandant à 20 anciens joueurs qui va être champion, qui va être meilleur buteur, qui va être libre, etc. Sur 20, il y en a 14, je crois, qui ont mis Clermont et 3, d'autres ont mis Bordeaux, Nantes, etc. Voilà, donc tout le monde s'attend à ce qu'on se plante. Mais on ne sait pas faire autrement. L'entraîneur identifié est là depuis un long moment, il a construit les choses. On lui a laissé du temps aussi pour construire. Les nouveaux investisseurs qui sont arrivés en 2019 ont aussi misé sur Pascal pour amener ce projet à maturité. Alors ça prend beaucoup de temps, on le sait. Moi j'ai connu des clubs plus petits comme Strasbourg et puis des plus grands clubs comme Marseille, Newcastle ou Aston Villa où
la philosophie de jeu identifiée est moins prégnante puisqu'on est beaucoup sur le résultat avec des objectifs très élevés. Mais malgré tout, ce qui est important, c'est la cohérence. Moi, je répète, c'est au-delà de la philosophie, et c'est le fil conducteur que vous avez dans un club. Est-ce que vous arrivez à le ressentir lorsque vous arrivez dans un club ou est-ce que c'est flou? Je trouve qu'ici, c'est très identifié. À revenir deux fois au score, ce qui est dur dans un match déjà de revenir une fois, mais on réussit à revenir deux fois et on n'arrive pas à rester au moins avec le match nul ou essayer d'aller chercher ce but de la victoire. On avait perdu à l'aller, donc on avait à cœur quand même de faire un très bon résultat. Voilà, on a fait quelques erreurs qui nous a été fatales. On sait que c'était un match important, on avait un peu de mal ces derniers temps, on les recevait à la maison, donc on avait à cœur de bien faire et au final, dommage, on n'a pas réussi à gagner ce match, mais j'ai pas trouvé qu'on a fait un mauvais match. Donc vous avez reconnu, il y a 4 joueurs pro qui nous font la surprise d'être là, qui vont passer l'entraînement avec vous, qui vont vous donner des conseils, qui vont un peu animer l'entraînement. Il y a Hakim, que je dis pas de bêtises, et Lucas qui vont venir avec les U10, c'est ça? Et Naël et Johan qui vont aller avec les U9. Ça marche? On a un travail d'abord là sur la prise de balle. Okay. C'est un carré qui a fait un exercice qu'a confectionné Pascal. On travaille la prise de balle. Okay. Donc ce que je veux bien, c'est que... On se met vers un carré. Un carré, on corrige. En fait, vous corrigez les prises de balle. Okay. Le but, c'est de travailler un maximum l'enchaînement, contrôle d'un pied, passe de l'autre. C'est-à-dire celui où on va plus vite en un appui. Allez, il en manque 2. 29. 30. Franchement, ils ont un bon pied gauche. Hein. À leur âge, j'avais pas de pied droit même. Donc. J'avais pas de pied. Donc là, ce que c'est pas mal, hein, franchement. Ouais, c'est bien. Ça, techniquement, c'est pas... d'axer vraiment le travail sur de la technique. Donc du coup, c'est intéressant. Parce que pied droit, pied gauche à une ils ont bien progressé. Puis c'est des choses qu'ils répètent toute l'année en fait. Oui. On fait par 4 séances par 4 séances. Passe, prise de balle et conduite de balle. Et on répète. Déjà, ça fait plaisir de les voir tous en tenue du club, parce qu'à l'époque, c'était pas ça, donc ça fait plaisir. Ça prouve que le club, il se développe. Et oui, techniquement, ils étaient très bons. Ce que je disais à Naël, je pense qu'ils ont un meilleur pied faible que Naël, donc c'est de bon augure pour la suite. Et que le mien par ailleurs. Donc non, franchement, c'était bien pour leur âge, c'est très bien ce qu'ils font. Ça va, mon pote? Vas-y, fais une virgule. Oh, tu l'as réussi, là, t'as filmé?
Il a fait, hein. Ah ouais, il y a de la semelle et tout. On aime bien, nous, ça. Hein. On aime bien, nous, ces petites conduites de balle. Ces petites conduites de balle un peu agitées, là. On n'a pas pris le bon, Naël. Hein. On va là-bas. Comment, les gars ? J'ai pas encore les équipes, donc je peux pas me prononcer. Puis j'ai pas le droit de faire de paris sportifs, donc je sais pas, je vais m'abstenir. Allez, moi je prends les bleus. Allez, moi je prends les rouges. Allez, les gars. Allez, les bleus. Allez, les rouges. Et on regarde, et si ça fait trop court, on reculera la cage. Les deux pensées. Ça joue. Allez, ballon, bleu pensé. Joue, pareil, c'est très sorti. Joue avant, ça va. Moi j'étais au match. Ouais. Je t'ai vu. Ah, tu m'as vu? Oui. D'accord. T'as failli marquer. J'ai failli marquer. Pas les rouges tous vers le ballon, les gars. Il faut des mecs devant, faut marquer des buts. Hein. Oula, faut marquer des buts. Hein. Bien joué. Oui. Belle frappe. Allez, concentrez les mecs là, ça repart. Hein. On est à 0, on a fait une belle entame. On est costaud défensivement. Je pense qu'on ressemble un peu à l'Atlético Madrid. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu des petits jouer et aussi bien, donc franchement c'est une bonne génération là. Bon là c'est un peu de la triche parce qu'ils ont Lucas Margueron, mais ça va tourner, donc chacun aura sa chance. On peut que prendre du plaisir, eux ça se voit qu'ils sont contents de nous voir. Et même nous, ça nous fait agréablement du bien. Parce qu'on a des petits cousins, des petits neveux, etc. Donc c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir des petits et on est contents, vraiment. Les enfants avaient le sourire, ils ont pu échanger avec les joueurs, ils ont pu jouer avec eux, leur faire des passes, leur faire des frappes. C'était très très sympa, très cool. J'espère qu'on pourra recommencer d'ici la fin de saison. C'était un entraînement de qualité, il y avait de l'envie, de la qualité. Voilà, on voit que l'école de foot a clairement évolué, donc c'est super pour le club. C'est dans mon ADN, je pense. J'aime ce club, j'ai grandi avec lui, on a grandi ensemble et il me l'a bien rendu et j'essaye de lui rendre le mieux possible. Quoi. Tu peux le faire, gamin. Un petit 1,76, 2,98. C'est bien, sous les trois, gamin, c'est bien déjà. Alors je m'occupe des gardiens de but en formation, tout simplement. Alors, 1,31. Non, pardon, attends. Putain. On recommencera. Vas-y, on recommence. Non, parce qu'avec mes yeux. Non, c'est bon. C'est le soleil. Vas-y. Là, on est mal. Allez. Quelque part, eh ben, on essaye surtout d'en faire des bons garçons, des hommes ou avec des valeurs de travail. Voilà, d'honnêteté, dans le travail. Ce qui me plaît le plus, c'est ça, c'est transmettre, quoi. Essayer de leur transmettre toutes ces choses-là. Hé, Mathis, arrête de couper avant. Coupe une fois que t'as passé. Et tu coupes juste là. Tu coupes ton effort ici, et quand tu passes, eh ben, t'es en train de ralentir, tu commences à ralentir. Quand ils arrivent ici au centre, je leur dis qui je suis, ce que j'ai été au club, et puis après, ben, ils se renseignent. Alors des fois, ils me posent des questions, mais c'est vous qui avez joué? Ouais, d'accord, voilà. Et puis ça s'arrête là, ça va pas plus loin.
Le Clermont Foot reçoit le Paris Saint-Germain ce samedi, un match que toute une ville attend dans un contexte peu favorable aux Clermontois. Les Auvergnats restent sur 4 défaites consécutives. À l'échauffement, les joueurs du Clermont Foot auront une haie d'honneur faite par leurs aînés qui avaient réalisé l'exploit d'éliminer le Paris Saint-Germain en Coupe de France. C'était en 1997. 4 partout, tir au but, et on se rappelle du show Olivier Enjolras, le gardien du Clermont Foot, avait réalisé ce jour-là un match remarquable. Ouais, match de gala, après le public répond toujours présent. Ils sont toujours derrière nous, qu'on gagne, qu'on perde, donc c'est un super public ici. Moi, c'est la première fois que je joue en France, donc franchement impeccable à ce niveau-là, tu vois. Donc sans pression, et en plus on a le 12e homme, donc c'était parfait, quoi. Je souhaitais véritablement vous remercier, vous dire que vous avez été des dignes représentants du club pendant de nombreuses années, et que c'était important pour nous de vous recevoir et de vous faire plaisir par l'intermédiaire de cette rencontre, manifestation, échange. On voulait, Ahmed Schaeffer, Yannick et moi, vous remercier et vous dire que vous faites partie de ce club et de cette histoire. Merci à vous. On se retrouve en règle générale une fois par an pour faire un petit match amical avec, contre des gens de notre génération. On s'amuse bien, on rigole bien, donc on a l'habitude de se voir. Mis à part 2-3 qui habitent un peu plus loin, mais le reste du temps, on arrive à se croiser, donc on ne s'est pas perdu de vue, donc c'est toujours intéressant, puis on rigole toujours. Tout ce qu'on a fait, c'est pas en vain, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui arrivent à faire des parcours, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Nous, ça a été le début d'une aventure. Le club est passé de National 2 en Ligue 1, quoi. Voilà. Il a fallu 25 ans, mais 25 ans, ça peut paraître court, mais ça peut paraître long, mais c'est court dans le football, quoi. C'était bien l'atmosphère qui régnait autour de ce match et tout, parce qu'on avait à cœur quand même de faire un bon résultat face au Paris Saint-Germain, mais on savait que c'était une très très bonne équipe. Trois grands joueurs qui leur donnent plus de profondeur, il va super vite. Donc après, ils ont des magiciens autour. Ça va vite. Hein.
name is Oleksandr Herakha. I'm from Ukraine. My name is Ivan and I come from Ukraine. In Lviv, I play in the club FC Lviv. In our country, situation is very bad. It was war. In our village, it's good, but in Kyiv, it's very bad. When war starts, we go to the another city to play first game in the second part of the season. We go in the train, and when war starts, we return to our city because it's very bad situation in this city. J'ai fait la connaissance il y a 4-5 ans dans mon ancien club au Racing Besançon d'un Ukrainien qui est venu faire ses études en France, qui était en STAPS, et donc il a intégré le club du Racing Besançon. Il a eu l'opportunité de repartir dans un centre de formation en Ukraine en début d'année au FC Lviv, où il coachait et il était en charge des U19 nationaux, ce qui équivaut aux U19 nationaux là-bas. Et lorsque la guerre s'est déclarée, moi je prenais des nouvelles et il m'a rappelé quelques jours après, il me dit « Écoute, le problème c'est que nous, pour nos garçons, c'est terrible, c'est que le foot va s'arrêter et malheureusement ils sont dans un âge où ils vont peut-être passer professionnels, mais si le football s'arrête et qu'ils sont 2 ans, 3 ans sans football, parce qu'il dit ça repartira pas tout de suite, eh ben c'est des garçons qui pourront pas atteindre leur rêve finalement. Donc il dit « Est-ce que toi, tu aurais la possibilité d'accueillir quelques garçons dans ton club pour ben, en voir sur certains profils qui peuvent peut-être vous intéresser. » Et donc voilà comment un petit peu l'histoire s'est faite et comment on a accueilli ces quatre joueurs au sein de notre structure. I am of course happy to have such a big chance, to have such a big opportunity, and I will be really glad to stay here for a long period. Je redemande pas de bobo, no pain. Ce matin. 1-0-6, 1-82. Oleksandr. Of course, it is difficult to stay here alone. I'm happy to have here friends, but the country is in French language, and we don't know this language, so it is hard. And it is difficult, of course, to stay here without my family, because my family is in the country where it's in war, and of course, it is very difficult for me. And I want to take them to France too, if it is really possible. It is, will be wonderful to stay here, but as I saw, the team is very nice here. The level is higher than in Ukraine because Ligue 1 is very nice and it is in top 5 of the whole world. And I would like to have a contract with Clermont Foot. I will do my best to sign a contract. Yes, I would like to play in France. It's a beautiful city, beautiful people. Avant de les faire venir, on avait déjà bien ciblé les postes en fonction de nos manques dans nos effectifs. Ce qu'on a convenu, c'est qu'ils soient à l'essai 2 semaines. Ça peut être aussi perturbant, donc on va aussi leur laisser le temps tranquillement, même si on n'a que 15 jours, mais on va leur laisser le temps et on fera des points comme ça en milieu de semaine à chaque fois. Voilà, on a accueilli ces 4 garçons pendant 15 jours. Pour les tester d'un point de vue, on va dire, footballistique. Donc, ils sont aussi voir les accompagner dans une période pas facile de leur vie en ce moment. Donc, c'était aussi intéressant pour eux aussi de ce côté-là. Et effectivement, en plus, c'était des bons joueurs. Donc, j'ai envie de dire qu'on voilà, on va voir la suite qu'on va pouvoir donner à cette histoire. Et pourquoi pas, à terme, aussi avoir un lien avec ce club de Lviv. Ouais, ça peut être la naissance aussi d'un partenariat futur, on ne sait pas aujourd'hui, mais ce n'est pas l'idée première.
On arrivait à se créer des situations, mais c'était pas notre jour, donc ça rentrait pas. On tape la barre. Le scénario était pas en notre faveur. Pour moi, c'était un match où on aurait pu jouer des heures, on n'aurait pas marqué. C'est comme ça, il y a des jours avec et des jours sans, et c'était un jour sans. Le foot, en fait, ça peut, des fois, on peut pas expliquer. Tu peux dominer, avoir la balle tout le temps et ne pas marquer, ne pas gagner. Et comme à contrario à 3, où t'es un peu plus dans le mal et au final tu gagnes sur la fin. C'était un gros moment de joie parce que ça faisait un moment que je marquais pas. Bon, j'ai essuyé quelques remarques, etc. Donc, c'était pas facile pour moi dans la tête, etc. Mais un moment de joie et surtout ramener les 3 points pour l'équipe, et ben, ça m'a fait super plaisir que ça vienne par mon intermédiaire. Moi, en fait, j'avais vu que Oupari s'était mangé le bras dans la tête. Moi, j'étais persuadé qu'il n'y avait pas pénalty. Mais quand même, ça nous a fait un peu paniquer quand même, parce que c'était quand même à la dernière minute et tout. Prendre un pénalty comme ça, c'était comme si Lucien nous était tombé sur la tête. On revenait ici à la maison, on voulait bien faire, malheureusement on n'a pas bien fait. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud. Never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about. Have your f***ing cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop me now. Just tell me that I can't.
notre tête, mais on a 4 finales. Il faudra chercher le maximum de points. Faut pas perdre des points, il faut faire quelque chose. Ça va pas être une mission facile. On a vu que dans le foot, rien n'était impossible et que des fois, il suffit d'une action pour marquer et gagner un match. On va tout faire pour se maintenir ici en Ligue 1. Les 8, on va rejouer comme ça contre Monaco. Les 8, il faut accompagner. Vous avez votre sentinelle de toute façon qui va équilibrer et qui sera en sécurité. Donc allez-y. Ça nous sert aussi quand même, nous, il ne faut pas se le cacher, par rapport à nos joueurs à nous, de leur montrer que voilà, il y a des garçons, ils se plaignent souvent, mais il y a des garçons qui sont dans des situations bien plus précaires, et que c'est pas, on ne parle pas juste de football là, donc il faut que les nôtres en soient conscients, et bon, on ne va pas se le mentir, c'est vrai que ce côté-là, ça nous sert aussi pour montrer à nos joueurs à nous que voilà, parfois, il faut peut-être arrêter de se plaindre, il faut arrêter de regarder son nombril et puis et voir qu'ailleurs, il y a des situations beaucoup plus compliquées. Donc, ça nous ramène un peu les pieds sur terre. Today was the best training for the whole period I'm here because I feel that it's the last day. Of course, I want to go home because of my family, because of my relatives, and today was beautiful training.